Et bonjour à tous amis, c'est Ghost. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 sur des mini-jeux Minecraft. Aujourd'hui nous sommes sur Epic Cube pour se faire des parties de Hunger Games sans kit, parce que j'ai pas envie de kit, donc on se fera des parties sans kit. Donc sur la map Embrasement, parce que c'est celle qui ressemble le plus au film Hunger Games, donc Hunger Games Embrasement sans kit, let's go. Donc voilà, ça va commencer bientôt, 20 sur 24, donc normalement ça devrait commencer. Donc le principe d'un Hunger Games, simplement c'est exactement comme dans le film, il va se passer des événements aléatoires à des endroits de la map, il faudra s'en éloigner de ces endroits de la map pour ne pas mourir. Quoi dire d'autre, il faut tuer tous les autres joueurs, il y a des coffres un peu répartis partout dans la map, il faut les trouver et à la fin voilà, faut tuer tout le monde. J'espère que vous avez compris. C'est comme dans le film Hunger Games en fait. Cette map reprend exactement le principe du film Hunger Games. Déjà la map c'est totalement inspiré du film. Et après les événements aléatoires c'est comme dans le film. Il faut savoir aussi que sur Epic Cube il y a aussi, ça c'était Skype, il y a aussi une autre map qui s'appelle Far West, mais où il y a aussi des événements aléatoires, mais qui elle n'est pas du tout inspirée de Hunger Games le film. Allez, ça commence dans 15 secondes, 15. Donc on va pas aller au centre parce que je sais que c'est là chaque fois où on meurt. 4, 3. Vous sentez la pression? Ah, jouer. Ouh putain, déjà je commence mal. J'aurais pu désactiver les nuages, mais bon. Je ne l'ai pas fait. Allez, je vois un coffre. Je me fous l'enfoiré. Il m'a pris le coffre. Il me semble que maintenant les coffres se pètent quand on arrive vers eux. Oui, oui. Casse-toi. Voilà, très bien. Première partie, nous sommes morts dès le début. Excellent. Hein. Bon ben voilà. Vous avez vu Hunger Games, hein, c'est beau. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant Hunger Games. Ah ça c'est sûr, pour être impressionnant, il est impressionnant. S'il te plaît, Randall, arrête de m'envoyer des messages en pleine vidéo, je te remercie. Bon, je vous retrouve dans un instant, dès que j'ai trouvé une partie, à tout de suite, attendez. Hop. Apparemment, non, on va pas y avoir besoin d'attendre. Donc, je vais désactiver les nuages aussi. Voilà, comme ça. Ce sera mieux quand même, on s'est fait déboîter dès la première partie, c'est un peu triste à dire. Hein. C'est un peu triste à dire. Allez, 10 secondes. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Direct, dès le début, je prends le plus mauvais départ au monde. En fait, le PVP commence vachement vite. Hein. Là, j'ai la pression. Allez, on n'est pas mort le premier. Allez, on se bat dans la map. Vous voyez, la zone d'event, c'est la zone 10, on est dans la zone 4. Donc pour l'instant, on ne va pas mourir tout de suite par un événement aléatoire. Regardez, regardez, regardez. Bon, allez. Allez! Ça c'est bon ça les amis. Vous avez kiffé j'espère. Merde. On est à zone 3. Arrêtez de trop bouger de cette zone. Zone 4 aussi. Putain, je suis entouré. Voilà, c'est comme ça qu'on fait fuir les gens.
putain. Oh putain, zone 3 ici. Une pluie acide. C'est horrible ça, les pluies acides. Il faut rester planqué sous un arbre, sinon on meurt en fait. C'est très la tristesse. C'est très la tristesse d'être comme ça sous un arbre. Vas-y, la tristesse du mec. Knockback 1, j'ai une épée, knockback 1. Je suis bien ici, moi. Protégé tranquillement, au calme. Il y a 6 tribus, moi je ne fous rien. Je suis tranquillement sous la pluie acide. Donc tout se passe bien pour moi. La pluie acide, est-ce qu'elle va cesser un jour? Je ne pense pas, non. La pluie acide, elle est bien, ouais. Elle se dit, je suis tranquille, au calme. Je suis posé. Ah, les mecs, ils peuvent pas venir. Ah, vous avez le goût hack, hein. Non, mais on est bien ici. J'aime bien. Mec, j'en ai rien à foutre de ce qu'il me donne. Casse-toi. Ville chenapan. C'est ça. Mec, ma fille du stuff, quoi. Il est fou. Vu là-bas, il se passe des drôles de trucs. Il était d'y aller. Non, la zone là-bas. Plutôt aller par là, alors. Du coup. Putain. Encore une pluie acide. C'est fou ça. Les pluies acides, ça arrive tout le temps ici. Allez, il est mort. On est plus que 4, on va peut-être finir dans les 3 premiers. En tout cas, je l'espère les amis. J'ai pas un casque mieux. Non. On est tranquillement ici, on est bien. Des araignées. La zone de combat se réduit. Rapprochez-vous du centre. Allez, on va aller au centre là. Vous avez des couilles ou pas les gens? On est dans les 3 premiers. Vous voyez ça, on est dans les 3 premiers. Trop bon là. Hop, un arc enchante. On est bien là. Mais venez. Viens. Mec, tu chies là. Putain. Ah. Il m'a eu. GG. Bien joué, bien joué, bien joué. Très bien joué. Putain, on aurait pu l'avoir. Hein. Bref, on est reparti pour une autre partie. Qu'est-ce qui va se passer hein, ici? Monsieur Gamer, qu'est-ce qu'il fait? Mon The X26, il l'attend toujours.
Bon, allez, on retourne au hub et on va se refaire une autre petite partie avant de nous quitter pour cet épisode. Hein. Riche en action. Il faut être VIP. On se retrouve dès que j'ai trouvé une partie. Allez les amis, ça commence dans 10 secondes, on a trouvé une nouvelle partie, toujours sur la map Embrasement, inspiré du célèbre film Hunger Games. Il y a un mec qui a le même skin que moi, mais bon, attends, c'est un skin que j'ai trouvé sur internet. Donc là, on peut tester d'aller au milieu. No ally please. T'inquiète pas, moi je fais jamais d'alliance avec les gens. Des gens qui vont mis. Cours pour ta vie, gosse. Cours pour ta vie. Ah, pardon. Pardon, personne ne me suit, hein, c'est bon. Un Skype, il est décidant. Ok, j'ai chopé ça, ça et ça. Vu comment on essaie de sauver notre peau. Bien joué. Bon bah là, il m'a eu parce que c'était facile. Hein. Allez, on s'entend une dernière partie, et puis ce sera fini. Hein. Cette partie n'était pas épique, je vois peut-être pas du milieu. Après, on sait jamais si on doit aller au milieu ou pas, vous savez. C'est pas toujours facile de savoir ça. Donc une partie qu'ils ont remplie. Hein. Bon, allez, on se retrouve dans un instant, encore une fois, tout de suite. Allez les amis, dernière partie, on espère qu'on va suivre, on va pas le milieu cette fois-ci parce que le milieu c'est pas fiable. Oulala, voilà, la map elle avait du mal à générer. Rewind the parcours, ta mère. 4, 3. J'aime pas démarrer de ce bout là. Enfin de ce bord là. Enfin, là, au bout de la map, là. J'aime pas ça. Ça me stresse. J'espère que je vais croiser personne. Non, pour l'instant, c'est bon. Ça m'aide beaucoup, j'ai un arc. Hop, c'est déjà pas mal ça. J'ai une épée en bois. Ça c'est nice. Hop, on mange un peu. Et on reprend son sang-froid, gosse. J'ai même du mal à prononcer mon nom. Donc les caisses maintenant, les coffres pardon, j'ai l'impression maintenant qu'ils se cassent quand on les prend, donc ça c'est cool. Enchaîne mail. Ça je pense qu'elle fera pas plus. Non elle fait plus 4 quand même mon épée. C'est mieux que c'est mieux que ma hache. Notre coffre là. Ah, j'ai compris comment ils font dans des vidéos en fait, j'ai envoyé leur comment ça s'appelait, ça se cassait leur coffre tout simplement, mais c'est que tu ouvres et après tu lâches et puis donc ils se cassent le coffre, donc tu récupères tout ce qui est à l'intérieur. La zone 10.
Merde, ah si, j'ai vu un coffre. J'ai une épée. Knockback 1. Je suis dans la zone 9. Oh, projectile protection. Je suis dans la zone 10. C'est bon, on peut être dans la zone 11. C'est tendu quand même. Hein. J'aime pas cette tension qui règne dans l'air. Je suis dans la zone 10. J'ai des flèches, j'ai 12 flèches. Je me balade. Hein. Mais je croise pas grand monde. Toujours se mettre près d'un truc dans zone 8. Il est dans zone 8 alors. Objectif protection 1. C'est pas mal du tout ça. Putain. Je sais pas trop quoi faire, si j'avance, si je bouge, comment veux-tu, comment veux-tu. Ceux qui connaissent la chanson. On n'est plus que deux. Ah, on peut aller au milieu. C'est le milieu. Je vais au milieu alors ce n'est plus que deux. GG, merde, il a gagné. J'aurais pu l'avoir. J'aurais pu l'avoir, mais il a gagné. Oh les shit. Putain. Ah. Bon bref, voilà les amis, c'est la fin de ce nouvel épisode sur des mini-jeux Minecraft. Cette fois-ci, nous étions sur un Gargoyles d'Epicule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et voilà, à bientôt, prochainement, ou même à l'année prochaine. Bisous à tous, c'était Goz, portez-vous bien. Oh merde, non, je voilà. Me manque un de fer. J'en ai pas une, moi, puissante. Y'a pas un truc en fer quelque part? Putain, je galère.